Bonjour, c'est AD, c'est Luba pour un épisode de Sky Action. Et nous revoici donc sur Sky Exchange et au programme aujourd'hui nous allons essayer de rusher Extra Utility. Donc on va voir si on va y arriver, je suis pas sûr. Alors on va récupérer hop, tout ce qu'il y avait là dedans. Donc bon, hop. Non c'est l'inverse. Je peux pas récupérer tout. Bon, on va faire à la main. Hop, ça c'est tout ce qu'il faut pour les premiers items. Donc il y a plusieurs quêtes, on va essayer de faire ça assez rapidement. Ça se trouve il faudra que je fasse d'autres trucs en parallèle, je sais pas. Le premier truc qu'il faut qu'on fasse c'est le manuel 1000. Pour ça il faut une roue, alors, pour en prendre qu'une seule parce qu'on aura besoin que de une. Et de la Resonating Crystal, ça on aura besoin de plein. Donc il faut pour ça créer d'abord ce petit outil. Je pense pas qu'il s'use, on verra s'il s'use, il faudra qu'on le qu'on fasse d'autres. On casse du coup... des... Ah tiens, ça, il reste comme ça. Ouais, ils ont un IMC, donc on va tout de suite sauvegarder. Ouais, même ça, c'est un IMC, mais je pense pas qu'on en ait besoin. Ça, au cas où. Voilà. Et du coup... Attendez. Hop. Ça en fait... Oui. Et ensuite... Ça marche comment? Ok, d'accord. Ok. Bon, ça a de l'IMC. On peut aussi sauvegarder et en récupérer plein, sauf qu'il y a d'autres crafts qui vont avoir besoin de ça, du coup, mince. Ok, là ils sont un par un. Ah, c'est qu'ils stockent par 8 et en fait, ok, d'accord. On va en récupérer pas mal parce qu'on aura besoin pour la suite des quêtes. Donc on a de quoi crafter notre premier item dans une langue du Polish Stone. Polish Stone, c'est, excusez-moi, c'est celui-là, voilà. Le Polish Stone, c'est pareil, le Polish Stone, on en aura besoin à d'autres moments, donc on va en récupérer, je vous montrerai après. Donc maintenant, on a notre premier truc qui est donc... alors on va caler sur soi pour l'instant parce que... Ah non, je crois que je vais devoir le poser, on verra. C'est pour générer l'énergie Extra Utility, voilà, pourquoi c'est pas Under. On va récupérer, tiens, pas mal de panels. Donc il fait nuit, donc ça va être très pratique. Tant pis. Et ensuite, le dernier truc, enfin non pas le dernier, mais pour la quête, mais il faudra après, c'est le résonante. Le résonateur. Donc le résonateur, en fait, tout simplement, il va récupérer l'énergie qu'on récupère, qui résonne pour crafter quelque chose. Donc on va faire ça parce qu'on va devoir le poser, donc du coup on va s'en faire un deuxième pareil, ça on va récupérer un deuxième comme ça on pourra poser celui qu'on a besoin. Les panneaux solaires on a crafté plein mais pour l'instant il fait nuit. Ça dit je pourrais crafter un lit hein. Je crois que je vais crafter un lit, je vais vous montrer pourquoi après. Je peux pas bon tant pis. Ah il faut vraiment les poser sur un bloc. Bah écoute salut, je les ai tous posés. Vas-y, redonne-en. Alors, attendez. Non, je l'ai tous posé. Je suis con. Oh, vois ça. Hop. Merci. Ok, donc on va poser au sol. Ouais, de toute façon, je pense que je vais pas les garder ici. Donc, on peut mettre là pour l'instant. Hop, donc ça, si on clique dessus, vous voyez, on génère de l'énergie. Et lui, il a besoin d'énergie pour transformer la polish en autre chose. Alors on va se faire un lit, je crois que j'ai jamais fait de lit il me semble hein. J'ai pas de lit dans le coin, non je crois pas. Donc on va prendre de la laine, on va prendre des planches, j'en ai, on va se faire un lit, truc de fou. Hop, white bed. Ah c'est que c'est, ah oui c'est vu qu'il y a, il est en anglais, je sais pas pourquoi. Ah bah si il est là, il y a des monstres à proximité. C'est toi qui nous empêche de dormir? Ouais. Donc là, avec le phare soleil, on va générer de l'énergie, ce qui serait quand même vachement mieux. Et donc là, vu qu'on gère de l'énergie, hop, il arrive à générer ceci. Et du coup, normalement... voilà, la quête est complète. Parfait. Donc bon, voilà, on laisse nos petits panneaux solaires. On voit que ça génère de l'énergie tranquillement. On aura besoin d'autres items plus tard. Donc du coup, on va tout simplement garder tout ça. Ensuite, on doit faire le watering.
Hop, watering. Je suis pas dans mon. Voilà. Hop, tout simplement. Et ce truc permet d'accélérer les cultures. Voilà, ça n'a pas DMC, donc on va les mettre par là pour l'instant. Donc voilà, c'est des quêtes qui vont vite. Hein. On peut. Alors attendez. Hop, voilà. Claim. En plus, ça fait des petits items pour le craft. Pourquoi pas. On va continuer la suite. Donc bon, je vous montre pas à quoi sert un arrosoir. Hein. C'est pour. Ça va accélérer grandement nos plantes. J'ai ensuite. Alors la suite, on va poser. Quoique non, non, non. Je pense que je fais une bêtise parce que le bloc de charbon on l'a pas encore utilisé. Alors est-ce que c'est dans celui-là? Bowling. Non, j'ai pas. Alors là on va poser tout ça. On va garder juste les petits items spécifiques. Le bloc de charbon, c'est bizarre, ça m'étonne, je l'ai toujours pas utilisé. Du fertile potion. C'est un IMC. Eh ben écoute, c'est un IMC. On va ça n'a plus besoin. Ça, c'était pas utile en fait. Voilà, donc on prend la boîte suivante. Youhou! Pour crafter. Alors, est-ce qu'il a fini? Oui, il a fini. Tant mieux, parce qu'on va avoir besoin de l'énergie pour crafter ceci. Donc, a priori, ça fait directement dans une table d'artisanat. Mais ça, vous voyez, ça va consommer l'énergie. Donc, bon, avec le panneau solaire, a priori, c'est bon. On doit. On voit pas où est-ce qu'on peut voir. Ah, c'est en regardant là-dessus qu'on doit voir. Génère 9, oui, bon. Pour l'instant, il n'a pas besoin. Ok, donc la wand. Building wand. Yeah. On a besoin aussi de la. Destruction wand. Destruction. Donc, j'imagine que, comme son nom indique, celle-ci permet de casser. Celle-ci doit permettre de construire comme on avait l'habitude avec la. Alors, je connais pas du tout les binds. Hein. Bon, faudra qu'on. Je l'ai pas, j'ai jamais utilisé. Et on a besoin aussi de l'Angel Block. L'Angel Block, tac, c'est celui-ci. Hop. Qui permet. Alors, hop. Deux. Bah, si je me dis, tiens, j'ai envie de construire maintenant une île. Ici. Hop. Eh ben, je pose le bloc. Waouh. Et du coup, je peux construire mon île. Ce qui est quand même très pratique, hein, parce qu'on a vu que. Voilà. Pour ce qu'on fait, ça peut être vraiment cool. Building. Destruction. Ouais. J'ai sélectionné, mais après, pour le casser, je ne sais pas. Bon, bah tant pis. Hein. On va pouvoir récupérer ça. Salut. Au revoir. Donc ça, je ne sais pas encore l'utiliser. Je pense que si je fais un peu de construction, je verrai comment ça fonctionne. Je vais me les mettre ici avec mes items du mod. Et on va continuer les quêtes parce qu'il y a beaucoup de quêtes à faire dans ce mod pack. Enfin, dans cette vidéo. Donc, je préfère continuer. On va pas... Enfin, voilà, si... on verra. Player chest. J'ai pas récupéré. Ça, c'est dans celui-ci. Alors, on a déjà... Oui, j'avais pas fait... plus... Alors, charbon, je sais plus à quel moment c'était censé être utile. Ok, donc on va poser tout ça. Normalement, on a tout utilisé. Voilà. Et on passe à la suite. Hop. Bon, là, il y a carrément. Tac, tout ce qu'il nous faut pour la suite. On est reparti. Donc, le player, donc, chest. Alors, je sais pas trop à quoi il sert. J'imagine que. Peut-être qu'il permet d'accéder à notre interface de loin. Alors, il faut que je fasse un écran. Oui. Et un indexeur. Ok. Et le mechanical user. Yeah, nouvelle quête. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi il sert tout ça. On va continuer. C'est cette fois un jour qu'on trie un peu. Alors, qu'est-ce que essayons de poser comme ça. Générique. Ah, oh. General right click, ah bah excellent ça. En fait ça simule un joueur. Ah ouais si, pratique. Pratique, pratique. Indexeur, ça je sais pas trop. Et ça j'imagine. Ouais. Il a besoin d'énergie. Donc on peut peut-être pas tout laisser poser au sol. Mais j'imagine que ça, si je balance un truc. Ah c'est ça, c'est moi. Donc du coup par exemple, si je fais ça. Imaginons. Que je pose ça là. Ah il me faut une pipe. J'ai pas pris mon truc avec moi. Genre on va prendre une pipe et un rocher par exemple.
Et du coup, si je mets ça dedans, bah, ça va aller dans mon inventaire. Ah, oh, ça va aussi là-bas, c'est relou. Et du coup, si je mets ça, vas-y, on accélère. Hop, il va se trouver normalement dans mon interact, non? À moins qu'il y ait une entrée. Ah, ça marche pas? Est-ce qu'on s'est pas configuré? Bon. Si! Attends. Accès autorisé. Et du coup, voilà. Et vu que c'est autorisé, paf! Ouais, excellent. Faut autoriser les trucs. En gros, il y a une SADI, un truc qui veut rentrer. Et donc là, si je fais ça, eh ben, ils vont directement. Extract only. Insert only, pardon. Insert only. Est-ce que ça marche maintenant? 4. 5. Voilà. Et donc, du coup, je pourrais laisser tourner un truc et me dire, ah, ça va directement dans mon inventaire. Ça, c'est plutôt pratique. L'indexeur, je m'en rends pas trop compte à quoi il sert. Non, attends. Je vais les ranger parce que si jamais. Hop là. Si jamais ça utilise l'énergie, ça serait un peu dommage. Vu que j'en produis pas beaucoup. Donc, on va le virer. Et donc, il reste l'indexeur qu'on sait pas trop à quoi il sert. Et là d'avoir de pouvoir afficher un écran, de pouvoir crafter. J'ai un. Bon, ouais. Je vous ai déjà montré deux trucs. Hop, si jamais vous voulez vraiment savoir, posez-moi en commentaire et puis je ferai une vidéo résumée à la fin des vacances de toutes vos questions. On continue sur les quêtes. Parce que là, tout ça, ça me permet de valider deux quêtes déjà. Hop. Ça et ça. Voilà. On a eu du coup des petits objets. Je sais pas ce qu'on a eu d'autre. On a eu des Red Orchidées. Ma foi. Plant of Redstone Ore. D'accord. Et l'autre truc, je sais pas ce que c'était. Ça, faut que je range là. Voilà. Alors, on continue. Et là, on va un petit peu freiner de vitesse de production. Hein, parce que on va faire l'Angel. Alors, l'Angel. Il faut d'abord faire un lasso. Le lasso, c'est. Pépite. Je sais pas. Oh. Bah, j'ai pas les ficelles que j'ai fait. Alors, j'avais pas ce qu'il faut. Ok. Hop, je vais m'en faire plusieurs parce que je m'en sers pour autre chose aussi. Ok, ça c'est cool. Oui, non, de toute façon, il m'en faut au moins deux. Donc, je vais m'en faire un troisième. Voilà. Alors, il y a besoin aussi d'un curset de lasso qui se fait avec un drop evil. Le drop evil, c'est un rare drop sur les Wither Skeleton. J'ai tué pas mal de Wither Skeleton. J'en ai tué 5 ou 6. J'ai eu une tête. Et deux Withered Rib. Alors, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je voulais vous montrer, faire avec vous. Ah, j'ai plus de saut de dispo. Attendez, j'ai plus de saut, excusez-moi pour cette petite interruption qui a dû en plus se rester. Hop, voilà. On récupère un saut, on va récupérer de la Witch Waiter. On va en remettre dans celui qui s'est vidé, comme ça s'en reproduira. Et là, est-ce qu'il y a un squelette? Là, il y a un squelette. Donc, normalement, si je fais ça. Ah, ça la consomme pas. Est-ce que ça a fonctionné? Non, le squelette, elle a toujours un. Alors, on va le récupérer. Le squelette, il. Ah oui, il faut le truc. Oh mince, je peux pas. Normalement, le squelette, si je le laisse dans la. Ah, ça a marché pour celui-là. Ça a marché pour le creeper, parce que moi le creeper est chargé. Mais normalement, c'est censé transformer les squelettes en wither squelettes. Mais là pour l'instant ça marche pas des masses. Ah, déception je suis. Parce que le creeper ça a fonctionné. On l'a vu, le creeper. Ah oui, voilà, ok, d'accord, super. Bon, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille farmer. Oh, c'est quoi ça? Ah bah non. J'ai du bol. C'est la prophétie. Du coup, en fait, hop, le lasso. Oui, le curseur de lasso. Donc ça, c'est celui-là qui nous permet de choper les mobs hostiles. Alors, ça va être un peu relou, mais bon. Alors, du coup, on va aller... dans là-dedans, ouais. On va aller choper un ghast. Alors pour choper un ghast,
C'est plutôt facile. Je crois que j'ai un aperture qui traite par là, que je fasse gaffe. Pour choper un ghast. Vous voyez, il y a beaucoup d'animaux ici. C'est parce que je vais faire avec vous ce que j'ai fait pendant plusieurs heures. Je vais faire ça. J'ai fait ça pendant plusieurs heures. Et vous voyez, ah, par exemple, quand on a ça, voilà, hop, on le tue. Ok, j'en obtiens un deuxième, j'en avais pas obtenu la dernière fois, j'en obtiens un deuxième avec vous. Tout va bien. Donc voilà, ça c'est pratique, sauf que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est un ghast. Donc là, par exemple, j'ai eu un lapin des villes, donc du coup, pas de ghast. Allez. Attendez, un truc à la con, c'est que j'ai même pas mis ça près de moi. Voilà. Si jamais j'ai un ghast, quand même. Hop, j'ai eu un lapin. Voilà, donc là j'ai le ghast. Je peux. The ghast. Ah, il faut que je tape un peu. Oh, c'est relou. Toujours pas. Non, toujours pas, ok. Je vois pas sa vie, bon, c'est très... Oui, voilà. On a le ghast. Ensuite, on a la chauve-souris à récupérer. Alors, la chauve-souris, on va le faire de l'autre côté, je pense que ça sera plus simple. Même si là, j'ai plein de mobs non hostiles. Et donc, j'ai fait ça pendant bonne petite demi-heure. Hein. Le but étant d'avoir trois têtes hein, pour pouvoir invoquer le Wither. Ça va être sympa. J'essaie aussi de tuer d'ailleurs les squelettes, parce que les squelettes, aussi, si j'ai des crânes, genre j'ai une tête de creeper, super, mais j'ai pas une... Bon. Alors on va virer charbon, on s'en fout. Voilà. Alors il faut qu'on aille maintenant choper une chauve-souris. Ça va être sympa. Parce que le problème d'une chauve-souris, c'est que ça court vite. Mais par contre, on en obtient en général assez facilement. Voilà. Et voilà. On a tout. Et maintenant, on peut crafter les angels. Il faut du... Ah, il faut qu'il soit vraiment orange le vert en mode... Ah non. Peut-être par contre il faut qu'il soit coloré alors. Je sais pas. Pourquoi il sait pourquoi. Ouais, bon, on va essayer de faire un vert. Je dois avoir du rouge. Ouais. Au cas où, hein, je pense que c'est pas utile. Mais attends, est-ce que ça se trouve je l'ai directement l'orange. Non, j'ai pas l'orange. J'ai du jaune. Voilà. Comme ça on est sûr. Hein. Ah, mais j'ai pas de vert. Ok. Autant pour moi. J'étais là, mais bon, ok, my bad. Voilà, les engendrings. Donc là, je peux voler. Bon, je peux déjà, je pouvais déjà. Sachant que c'est juste 32. Je suis pas sûr que j'avais 32, par contre, pour pouvoir voler. Mais bon, pas très utile. Hein. On a fait l'armure avant. Ça c'est tac. Ok. Et donc la dernière, on récupère de l'assaut. Ça c'est pratique parce que je vais pouvoir du coup farmer ici si je vois un squelette maintenant. Ah, il faudra que je le tape un peu, ça c'est un peu relou. Ouais, c'est un creeper. Mais je vais pouvoir le foutre dans la Witch Water. Et du coup, obtenir plus de Wither Squelette. Je ferai ça en off. Hein. Et on va juste faire ensemble le dernier item, la dernière quête, c'est... le démon... Démon, je sais pas. Le démon, Niliga. Alors, on va... pour ça, déjà, virer un peu ce qui est plus utile... je crois que c'est tout. Voilà, je sais plus ce qu'on a besoin. Alors, on va se faire un petit coin ici. Alors, j'ai pris des blocs de fer, mais ça, c'était juste. J'ai pris le premier bloc que j'avais sous la main quand j'ai préparé ma quête. Et on va mettre des blocs d'or. Non ? Ok, alors, c'était les briques. Il faut vraiment de la désordre brique. Je pensais pas. Donc, là, maintenant, si je balance mes lingots d'or, j'ai à la place des démon ingots. Faut 6. Ok, donc voilà, donc c'était important. J'ai mis des blocs au pif, moi, je pense, on va what the fuck. Mais non, le pif ne fonctionne pas, donc du coup, on a ce qu'il faut. Alors maintenant, il faut faire un iron dump. Est-ce qu'on les sauvegarde? On est fou, allez, on les sauvegarde. Un iron, ensuite l'iron, on fait un renforcé. Voilà, et le dernier, c'est donc un. Ah oui, pardon, j'ai pas ce qu'il faut, parce qu'il faut d'abord que je mette une fiole avec deux Thunder Pearls, ça me fait un clay flask. Hop, tiens, j'en prends une deuxième aussitôt. Ça se stack en plus, pratique. Et voilà. Notre dernier item, c'est donc ce... Voilà.
Ceci, ça stocke une quantité astronomique de liquide, en gros. Si jamais alors, par exemple, ça pourrait être du sang d'ailleurs. Je pourrais très bien mettre du sang de côté pour pouvoir être peinard pendant le jour où j'en ai besoin. Mais... Ça irait bien que le sang, le démoniaque. Ah! Donc voilà un petit peu, on a fait le tour de l'ensemble des items. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, même si j'y répondrai que après le prochain, enfin après les vacances. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Partagez, parce que plus on est de fous, plus on construit. Allez, bye bye.